Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hello everyone. I hope you all are doing, excuse me. I hope you are all doing well. So, aujourd'hui, nous allons faire des crêpes. On va faire les crêpes. So, today, we're gonna make crêpes. I don't even remember the name in English. Anyways, we're gonna make some crêpes. We will see what I'm doing. So, to make my crêpes, pour faire les crêpes, j'ai besoin de la farine de blé. Ça, c'est la farine de blé ici. So, this is a flour. Just, I use all-purpose flour. You can use any type of flour. I will need these two eggs. I will need the milk. Ça, c'est le lait que je vais utiliser pour faire mes crêpes. I will need a little bit of salt. J'aurai besoin d'un peu de sel. J'aurai besoin de cette huile végétale pour les fritures. Et pendant que vous fabriquez vos crêpes, vous pouvez ajouter un peu d'huile végétale ou bien de beurre. I'll need some sugar. Ça, c'est le sucre. Donc, commençons à faire les crêpes. Je vais essayer de mesurer les quantités. Ce n'est vraiment pas exact, mais on va essayer. Donc, pour un verre de farine, comme ceci. Ça, c'est un verre de farine que je vais utiliser. For one cup of flour, let's see what we can add to have nice crêpes. Donc ça c'est un verre de farine que j'utilise comme ça. Je vais mettre maintenant le sucre dépend. Si vous aimez que ce soit très sucré, you may add more sugar. If you want it to be too sweet, you may add more sugar. But this is only what I'm going to add. Donc ça c'est seulement la quantité de sucre que je vais ajouter dans mes crêpes. Mais si vous aimez ça très sucré, vous pouvez ajouter more. Vous pouvez ajouter plus. Excusez-moi. La langue me menace, vraiment. Je ne sais même plus ce que je parle dans ma vie. You see, ça c'est juste une pincée de sel que vous ajoutez. This is salt that you add right now. And then I'm going to mix everything. Et puis j'ouvre le milieu comme ceci. I open the center of the bowl. Donc j'ouvre le milieu et j'ajoute mon œuf. Je casse l'œuf avec n'importe quoi. Et tout ce que je trouve, je casse seulement l'œuf avec. Donc, you add your eggs at this point. If you want to make more crepes, you may add more eggs. But for what I'm going to do, I just need these two eggs. And then I'm going to mix everything from the center. Vous voyez comment je mélange à partir du milieu. Donc, c'est comme ça que je vais mélanger à partir du milieu. Je mélange mon sucre, mon sel, la farine avec les œufs. So, à ce point, on ajoute du sucre, sorry, du lait progressivement. On mélange et puis on ajoute progressivement. So we're just gonna add our milk progressively. At this point, if you don't have milk, feel free to add some water. It doesn't really matter. I just want it to be a little bit, you know, more rich. Donc si vous n'avez pas le lait, vous pouvez ajouter de l'eau. Et ce n'est pas grave. Je veux seulement que mes crêpes soient un peu riches. Vous voyez un peu. Donc je continue d'ajouter mon lait et puis je mélange. Just keep mixing until I have a nice paste. You see guys, how I have a nice dough. Vous voyez comment j'ai une pâte très lisse. At this point, if you want to add some vegetable oil or comment on appelle encore le beurre or butter, you can add it now. But I'm not adding any vegetable oil. Donc si à ce moment vous pouvez ajouter un peu de beurre fondu, vous pouvez ajouter maintenant. Mais moi je n'ajoute pas de beurre dans ma pâte. Donc je vais seulement passer à la friture. Et pour passer à la friture, je mets un peu d'huile végétale dans la poêle. Juste comme ça. Et puis, je m'arrange à ce que ça se soit bien réparti dans la poêle. Parce qu'il faut que la poêle soit complètement bien huilée pour qu'on retire la crêpe facilement. Donc, je me rassure qu'il y ait de l'huile un peu partout dans la poêle. Et dès que ça chauffe, on va commencer la friture. Donc, je vais utiliser ma louche pour ramasser ma pâte. Ça dépend de... Comment est-ce que vous voulez votre crêpe? Si vous voulez la crêpe plus épaisse ou bien si vous voulez les crêpes minces. Mais la quantité, si me suffit pour la taille de la crêpe que je veux. Donc, je prends seulement et puis je me rassure que je répartisse partout dans la poêle. Donc, je dois avoir ma pâte partout dans la poêle. Juste comme ça. Et puis, ça doit se cuire à feu doux. Hein? Donc, il faut que je diminue moi-même la chaleur. Là. Donc, je répartis comme ça. Et puis, je laisse ma crêpe cuire à feu doux. Dans une minute, on va retourner et cuire l'autre côté. Retourner jusqu'à se rassurer que les crêpes sont cuites de deux côtés. Donc, on va juste s'arranger à ce que ce soit bien réparti.
So now I just have to change the size. Vous voyez, je dois retourner et changer de côté. Et je vais répéter le processus jusqu'à ce que toutes mes crêpes soient cuites. So I just need to repeat the process until all my... Oh, the name in English is pancake. Is it pancake? Yes, it is pancake. So I'm making my pancake. So I'm just going to, you know, just keep checking until it is cooked on both sides. Donc, je retourne encore. Voilà, ça va être prêt bientôt. Vous voyez, mes amis, mes crêpes sont déjà dorées. À ce point, je dois retirer mes crêpes. You see, my pancake is ready. Donc, je dois l'enlever de la poêle. Je fold comme ça. Je plie comme ça. Excusez-moi. Et puis, je plie comme ça. That's it. Vous voyez, cette crêpe est déjà prête à être dégustée. Et puis, je continue le processus jusqu'à ce que je fasse frire toute ma crêpe. So, I just need to repeat the process until... Donc, je retourne le côté pour faire cuire mes crêpes de deux côtés. Donc, vous voyez, cette crêpe est déjà prête, les amis. Je l'enlève et puis je plie seulement comme ça. Et encore, je plie comme ça. Cette deuxième crêpe est prête. Donc, je vais répéter le processus comme ça jusqu'à ce que toutes mes crêpes soient finies dans le bois. Guys, if at some point you think that your pan needs to be cleaned, feel free to clean it. Donc, les amis, si à un certain moment vous pensez que vous devez nettoyer la poêle avant de continuer, allez-y, nettoyez comme je suis en train de faire là tout de suite. Donc, je nettoie d'abord ma poêle pour que mes crêpes ne soient pas trop marron. J'ajoute encore un peu d'huile. Puis je continue mes fritures, just like this. Vous voyez, je suis en train de presque finir. I'm almost done, still frying my pancakes. That will be done very soon. Donc je suis toujours en train de frire les crêpes. Vous voyez les amis, je suis toujours en train de continuer. C'est presque prêt. Donc les amis, vous voyez, ces crêpes sont déjà prêtes. Vous pouvez faire ça pour le petit déjeuner. C'est très bon pour le petit déjeuner le matin. So, my pancakes are ready. You can make it for your breakfast in the morning. You know, with a little sweet tea of masa, it will be very nice. You will have a very nice day. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime pour encourager masa. Si, if you like the video, click on like to encourage masa. And also, invite your friend to join the group. Share the post, please. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Les Délices de Massan, for more recipes. Donc, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube, Les Délices de Massan, pour plus de recettes. Vous êtes tous invités. I have enough for everyone, so you are all invited. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.